Abonne-toi parce qu'aujourd'hui je t'apprends à faire la tourte au citron qu'adore manger Shinichi dans Détective Conan. Il adore ça et tu verras, tu vas adorer aussi. Très très facile à faire. On fait un crémeux citron comme une custard, donc on casse des œufs dans une casserole. On prélève le zeste de 2 citrons bio et on prendra le jus de 4 citrons. Là tu vas faire un crémeux comme quand tu fais une tarte au citron meringuée. La différence c'est qu'il y aura 2 pâtes. On bat les œufs en omelette, on incorpore le sucre en battant fort, puis la fécule de maïs, enfin le jus de citron et enfin la crème liquide. Tu mets ça sur le feu à feu moyen, tu vas battre ça pendant 5 minutes et quand ça commence à épaissir, t'es pas mal. Quand ça cloque, c'est cuit. T'enlèves tout de suite et tu laisses reposer. Tu peux mettre tamponné, rajouter un petit peu de beurre froid. Je te mets les quantités en description. T'oublie pas, on va mettre ça dans une pâte brisée sucrée ou dans une pâte sucrée tout court. Tu peux prendre une pâte du commerce. Tu la mets 20 minutes au four, tout bêtement. Tu mets ensuite ton crémeux à l'intérieur. Tu remets un deuxième disque de pâte. T'essayes de jointer les deux. Tu vas mettre du jaune d'œuf. Tu traces ça, voilà, avec une agiripée là. Une fourchette. Tu fais bien un petit trou. Tu utilises une petite douille comme ça là pour faire sortir la vapeur pour pas que ta pâte pète, et là au bout de 15 minutes supplémentaires, 35 minutes de cuisson au total, 40 si tu veux pousser, t'as une tourte au citron sublimissime avec un véritable goût de citron et une très très belle texture. C'est vraiment 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 chouette, c'est vraiment vraiment super bon. Ah ouais, c'est aussi bon que mon front brille sur cette vidéo. Tu peux commenter pour me donner ton avis.